Donc on était là. Ok. Pourrir. Alors, est-ce que j'ai un... Voilà, mission. Crédit 4500 balles, hein, quand même. Attention, c'est pas... Avant que je fasse mon remblai, ça arrive, vu que j'assure que le téléphone n'a pas été endommagé, puis pris de char pour l'examen de la voie technique, je vais lui parler. D'accord. Mais avant, on va fouiller. Ouais, je sais pas lire, je m'en fous. Jensen, vous y étiez à l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout le monde a fait? Voilà, la sensibilité, hein. L'ONU s'intéressera de très près à ce qui s'est passé ici ce soir. M. Sagar a clairement fait part de son désir sincère de se présenter devant la. C'est normal, je croyais que c'était. J'avais oublié que c'était un FPS. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ces puristes ont pénétré dans l'usine? Ouais, c'est des employés à la con, c'est des pingouins, quoi. Je ne peux pas croire qu'il était avec pureté absolue. Quelqu'un a dû infiltrer le groupe de Sanders pour les manipuler. D'accord, mais qui? Qui pouvait savoir qu'on travaillait sur le projet Typhoon? Les mêmes qui nous ont attaqués la dernière fois, Roy. Attends, réfléchis. On le testait au moment de l'intrusion. Bonjour! Tiens, tiens! Le Mahatma Gandhi en personne nous honore de sa présence non violente. Si c'est pour le Typhoon, je suis à vous dans une minute. Pritchard, j'ai pas risqué ma peau pour que vous le paumiez entre trois processeurs et deux circuits intégrés. Écoutez-le, un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique, tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du Typhoon. Pourquoi? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Et nous aurons de meilleures relations. Oh, j'ai envie de lui casser la gueule! J'ai envie de lui casser la gueule! Pas vous. Elle est trop bien cette ambiance. J'adore. Pourquoi j'ai mis autant de temps à rejouer à ce jeu? Allez, maintenant il faut que je fasse quoi? Tu m'assures que quelqu'un a été gagné. Allez, allons voir Sarif. David et Hugh Darrow. Alors ça, aucune idée donner des réponses. T'es qui toi? Ok, moi je parle de celle de convaincre de sortir de sa cachette. Ah merde, je m'en vais là. Ah non, je m'approche. Norme. Tout ce que je dis, Hugh, c'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poudres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Vous vouliez me voir? Ouais, vous tenez le coup? J'ai eu des jours meilleurs. Bon. Après ça, allez consulter le docteur Markovic à la clinique amplique du centre-ville. Ça peut pas vous faire de mal. Si vous y tenez. Écoutez, pour Sanders... Ah oui? Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème. T'es sur l'avenir. Je pense qu'il pourrait nous détruire, Sanders. C'est ce que j'ai fait. Ah, oh, comptez sur l'avenir, moi je suis pour un avenir meilleur. Je pense qu'il pourra nous être utile.
Sanders a été furieux quand il a réalisé que son pirate était augmenté. Il va tout faire pour savoir qui l'a piégé. Ah. Et vous êtes assez naïf pour croire qu'il vous dira qui c'est quand il l'aura appris. Et moi qui vous croyais prêt pour ça, Adam. Je suis prêt. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça, ainsi que son véritable objectif, pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders, vous êtes certain qu'il était augmenté ? J'ai arraché ses câbles moi-même. Eh bien, d'après la police, il ne l'était pas. Il refuse de me laisser voir le corps, même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fonds de retraite. Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi, patron ? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police ? Vous pensez que... qu'on vous laisserait rentrer dans la morgue ? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Ouais. Entendu. Ils ne garderont pas ce pirate indéfiniment. Allez au commissariat et trouvez un moyen d'entrer. Il y a des trucs intéressants chez toi. Ton téléphone, par exemple. Ou ça, ça a l'air drôle. Incroyable. Salut. Adam, vous avez pu voir David ? Je ne savais pas qu'il avait déjà raccroché. Tout va bien ? Aussi bien que ça puisse aller. D'accord. Je ne suis pas plus avancée avec ça. Mais le téléphone n'arrête pas de sonner depuis la petite conférence de presse de Bill Taggart ce soir. Taggart ? Sarif parlait justement de lui quand je suis entré. Qu'est-ce que le fondateur du Front pour l'Humanité raconte sur nous ? Oh, il a l'air tout à fait sincère. Il dénonce tous les actes de violence dont nous avons été victimes. Il propose de venir ici en personne nous exprimer toute sa compassion. Ben voyons, pas étonnant que le patron soit en rogne. Il faut le comprendre. Avec les ludistes comme Taggart, vous seriez mort sur cette table d'opération. Le problème, c'est qu'il sait jouer avec les peurs des gens. Et modifier la nature humaine a de quoi faire peur. Dites ça aux amputés de guerre qui ont retrouvé un quotidien supportable grâce aux augmentations. Mais si Taggart parvient à ses fins, s'il retourne l'opinion publique, alors les Nations Unies devront prendre position. Non, croyez-moi, cet homme est une plaie. D'accord. Alors, c'est quoi mon objectif ? Visiter la clinique. Ah. Ah bah justement, on va mettre celle-là, on va la mettre inactive, on va faire la clinique en priorité. Chour. Comment je me baisse ? Comment je me baisse ? Oui, c'est vrai. Je suis con. Hein ? Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas un... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est honteux. Oh, y'a rien, c'est nul. On s'en fout. Vite. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Jensen, vous vous souvenez de moi ? Non,
Quoi? Non bah attends, je... Ah bah non, mais... Salut Jensen. Ah, ça fait plaisir de vous voir sur pied. Ouais. Et de retour ici. Vous tenez le coup? Comme je peux. Désolé pour Megan. Je sais que ça doit être dur pour vous. On a bien cru vous perdre, vous aussi. Tout va de plus en plus mal. L'attaque sur le siège social, et maintenant l'usine. Ouais, les temps sont durs. Et vous, Carella, vous allez bien? À vrai dire, je... J'ai merdé. J'ai complètement merdé. Comment ça? Eh bien, il y a 2 mois, avec Tyndall, vous le connaissez, un des technos de Pritchard, on a commencé à faire sortir en douce un peu de neuroposine des labos. C'est pas vrai, Tim. Vous réalisez que vous pourriez être viré. Ou pire, arrêté si l'entreprise décidait de porter plainte. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais. C'est que... c'est compliqué. Au début, j'étais pas très chaud. Mais j'ai été obligé. Bref, maintenant je veux arrêter. Mais Tyndall a une vidéo prise par une caméra de sécurité qui me montre en train de voler la neuroposine. Et il menace de me dénoncer si j'arrête de l'aider. Je suis mal, Adam. Il faut que je récupère cette vidéo. Je sais que vous êtes très occupé avec tout ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin de vous. Oh, donne-moi un petit peu de détails. C'est quoi la récompense? Et en quoi est-ce que tout ça me concerne? Ah, oh, Adam, ce serait pas très gentil de votre part de profiter de la situation comme ça. Je suis dans un sale pétrin. Enfin, je dois pouvoir me procurer un mode d'armement pour vous. Mais j'aurais pas cru devoir acheter votre aide. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous récupériez cette vidéo où on me voit. Tyndall doit la garder dans son appartement. Peut-être sur son ordinateur. Et donc? Je le cherche où? Dans l'annuaire? Près de Brooklyn Court. Mais ça risque d'être difficile d'entrer, parce qu'il y a un grand portail sécurisé à l'entrée de son immeuble. Ça m'en étonné. Avec une compétence approfondie en piratage, vous pourriez pirater le portique de sécurité. Sinon, il y a peut-être un autre moyen d'entrer. Une échelle de secours, par exemple. Et Tyndall? On peut pas s'arranger avec lui? Vous pouvez essayer, mais c'est un type obtus. Il est solide comme un roc. Il vous faudrait une augmentation quasi pour le faire craquer. Quasi? Un amplificateur social destiné à anticiper les réactions des gens en analysant leur modèle comportemental. Les modèles les plus récents permettent d'exercer une influence directe à l'aide de phéromones, je crois. Rien. Plutôt osé de voler des médicaments aussi importants dans un labo sécurisé. Comment vous vous y êtes pris? Tyndall et moi, nous étions dans l'équipe de nuit 1 semaine sur 2. Je cachais la neuroposine dans un sac pendant qu'il trafiquait la vidéo de la caméra de sécurité. Il a dû en faire une copie. De la neuroposine? Qu'est-ce que vous comptiez faire avec un médicament anti-rejet destiné aux patients augmentés? Le revendre? Fournir un concurrent? Pourquoi pensez-vous immédiatement que ce soit pour de l'argent? Ouais, vas-y. D'accord. Racontez-moi tout. C'est vrai? Oh, merci, Adam. Je voyais pas comment m'en sortir. La vidéo de la caméra de sécurité est certainement sur l'ordinateur dans son appartement. Retrouvez-moi devant le parking de la station de métro dès que vous l'aurez. Je me charge de tout. Maintenant, casse-toi dans mon bureau. Tiens, la porte est là, chelou. Allez, hop, casse-toi. Allez, hop, hop, hop. Alors, pourquoi... Pourquoi j'ai pas accès à mon propre ordinateur, en fait? C'est un bordel, mon bureau! Rien à ça, on dirait chez moi. J'adore mon travail ici, mais savoir qu'à n'importe quel moment... Ah, mon Dieu, je préfère ne pas en parler. Et si d'autres extrémistes passent cette porte et tirent sur tout ce qui bouge? Je sais, c'est horrible. Toi, tu serais la première à... Enfin, tu serais... La première à quoi? Non, rien. Oublie ça. Bah, super. Monsieur Jensen, j'ai appris ce qui s'est passé à l'usine. Ils ont utilisé du gaz mortel. Mon Dieu, quelle mort horrible. Mais je suppose que ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Que puis-je pour vous?
Quelqu'un est allé dans mon bureau récemment. Je... Sans doute le service de nettoyage. Et aussi ce monsieur Carella qui vous cherchait. À part ça, je ne vois pas. Personne n'y a touché. Montez de deux niveaux et prenez à droite. Ouais, bon, c'est... Merci, je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Bonne soirée, monsieur. Ouais, des bisous. C'est quoi ce petit attaché case, là? Tabulation maintenir. L'écran des objectifs vous fournit des détails sur vos missions et objectifs en cours. Ouais, mais je sais. Vous y trouverez des informations pouvant vous aider à mieux... Ouais, c'est bien. C'est bien. Correspondance dans le menu augmentation pour déclencher de nouvelles augmentations ou améliorations. Ah bah tiens, il faudrait peut-être que je fasse ça, tiens. Madame Reed. Oh, Adam. Excusez-moi, vous m'avez surprise. Et faites-moi le plaisir de m'appeler Cassandra. Vous avez vécu assez longtemps avec Megan. Je vous attendais. Ici ? Pourquoi ne pas être entrée ? Je ne sais pas. Je ne dois pas être prête. C'est votre lieu de travail, mais c'est aussi l'endroit où j'ai perdu ma fille. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Désolée. C'est très mal élevé de ma part de venir pour remuer de mauvais souvenirs. Surtout après tout ce que vous avez traversé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé il y a 6 mois. C'est assez incroyable à quel point elles vous ont changé. Au début, je n'arrivais pas à croire que vous aviez survécu. Vous vous y êtes fait ? Ils ont fait ce qu'il fallait pour me sauver. Et quand on y pense, je peux faire plus de choses maintenant qu'avant. Je suis vraiment ravie que vous le preniez comme ça. Beaucoup d'entre nous ne supporteraient pas des changements aussi traumatisants. Je peux vous demander ce qui vous amène ? Oui, bien sûr. Désolée. C'est au sujet de Megan. Enfin, de ce qui lui est arrivé. Plus précisément, de l'enquête sur ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire ? Pour résumer, je trouve bizarre la façon dont cette enquête a été menée. Vous pensez à une manipulation volontaire ? Oui, ça doit être mon intuition de mère. Mais en parlant aux enquêteurs, j'ai relevé beaucoup d'incohérences. Et puis, j'ai fait la rencontre de l'inspecteur Chase. Il m'a dit que tout n'avait pas été fait dans les règles de l'art, même s'il ne pouvait pas le prouver. Et maintenant, vous voulez en savoir plus ? Je n'entendrai plus jamais le rire de ma fille, Yada. Elle ne m'appellera plus jamais pour me demander comment je vais ou me raconter sa journée. On me l'a volée. Même s'il ne peut pas y avoir de justification à ça, je veux savoir pourquoi. Vous avez changé, Adam. Et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal. Mais je sais que vous aimiez Megan. Alors je vous en prie. Aidez-moi à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé. Hop, 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 hop. C'est quoi la récompense ? Oh non, on peut pas faire ça. C'était ma girlfriend quand même. Ouais. Je n'ai jamais pu mener ma propre enquête sur l'attaque. Je vais le faire. Merci, Adam. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Pour commencer, je dois voir cet inspecteur Chase. Bon, il travaille comme garde de sécurité à mi-temps dans un immeuble de Brooklyn Court. Je vous retrouverai dans le hall de votre immeuble quand vous aurez fini. Comment se fait-il qu'un inspecteur travaille à mi-temps comme garde de sécurité ? Oh, il a pris sa retraite juste après l'enquête. Je ne connais pas les détails. Il vous en dira davantage. J'y vais. Cool. Bon alors, quête secondaire, ça on va le mettre en inactif pour l'instant. On va aller à la clinique et faire le... aider l'autre. Ça va arriver, ok. Bonjour. Ah, je suis les poubelles. J'ai pas honte. L'expérience, c'est où ? Inventaire, augmentation. Oh ! Dimension suivante, 4000 points, machin. Alors. Système de radar, piratage, capture, piratage, fortification. Piratage furtif, ouais. Sinon, typhoon, essayer d'implanter. Safe. Systématique, machin. Éviter pirater les...
Quoi, t'es sérieux? Ah ben on l'a déjà ça en fait. Allez. Oh, une bière. Là, une poubelle. Oh, c'est dégueulasse. Oh, il y a une ruelle sombre, on va y aller. J'ai le droit de vivre ma vie comme je veux. Et ce petit coin d'univers, c'est chez moi. Oui.